Nazi. Je m'excuse. Il y a des hommes dans la soupe. Comment ça débordait bien? Ok, ne pas ok. Bon, c'est un sentiment de joie immense que les Quinoises et les Quinois ont traduit par... D'ailleurs, ils se sont mis le long de l'avenue du boulevard Lumumba, et là où le président va passer, pour les saluer, pour les féliciter. Et j'avoue que le président de la République nous a rendu notre fierté légendaire. Cette fierté est retrouvée parce que la première fois que le Congo a eu cette chance de présider à la destinée de l'Union africaine, c'était en 1967 avec le maréchal Mobutu. Et 54 ans, jour pour jour, le président Félix-Antoine Tshisekedi vient de reprendre ces flambeaux-là. Donc pour nous, c'est un motif de fierté immense. Comme j'ai dit, c'est une fierté légendaire retrouvée dans les chefs, non seulement des Quinois, mais aussi de tous les Congolais. Et j'ai dit chapeau bas au président, à peine arrivé au pouvoir, 2 ans après, jour pour jour, il reprend le flambeau de l'organisation de l'Union africaine. Voilà, c'est-à-dire que
nous, Congolais, nous sommes environ 80 millions d'habitants. C'est-à-dire que tous les Congolais sont des présidents de l'Afrique en miniature, tel que vous êtes là. Vous êtes des présidents de l'Union africaine, en miniature. Hein. Président de la République, effectivement, c'est l'alpha, lui, c'est le président de la République. Nous autres, nous sommes des petits présidents de l'Union africaine. Peut-être vous êtes là, vous êtes journaliste, bien sûr, mais président de l'Union africaine en miniature. Voilà. Il y a l'Union africaine. Mboka Nabiso Congo est juste sous présidence de l'Union africaine. Donc vraiment, ils allient mon collègue Sengo Mingi pour le Congo et pour l'Afrique mobile. Est-ce que ce n'est pas une charge de plus pour lui, d'autant plus qu'on a assez beaucoup de problèmes aujourd'hui? Ce n'est pas une charge de plus. Vous savez, quand Dieu vous donne une mission, il vous donne aussi la provision pour vous. Pas le regretter, il faut considérer que c'est plutôt une chance, une opportunité qu'il faut saisir pour faire entendre encore davantage la voix de la RDC. Monsieur Bati, vous pouvez voir quand la formation du gouvernement? La formation du gouvernement dépendra du chef de l'État. Il a tout entre ses mains. Soyez patient, je crois que ça ne va plus prendre beaucoup de temps. Merci. Merci.